Est-ce qu'on peut faire rentrer ça, enfin, dans la tête des Lyonnais? Je veux dire, c'est aussi une histoire de folklore. Je veux dire, c'est sûr qu'à Londres, c'est bon, c'est séculaire comme habitude. Je veux dire, on joue dans un pub, c'est évident. Bon, ici, ça fait pas vraiment partie des traditions aussi. Donc, je veux pas dire qu'on va éduquer les grands-parents, mais pas loin, quoi. Il faut faire comprendre aux gens de la municipalité qu'on a quand même intégré certaines notions de marketing. Ils sont passés à travers les médias, depuis tout petit on baigne dedans, et qu'on applique ça aux produits qu'on propose. On fait de la musique bon, pour s'éclater, c'est vrai, mais pour en vivre aussi. Et derrière nous, il y a des gens qui sont des décorateurs, qui sont aussi des artistes qui sont dans leur partie, qui peuvent très bien participer à ce renouveau économique et le lancer. Et c'est quelque chose qui, c'est potentiel, c'est gros, c'est en train de sourdre, je dirais. Et ça va éclater, de toute façon. Avec ou sans l'aide des municipalités, c'est quelque chose qui va éclater, qui va s'implanter complètement, et il faudra faire avec. Comme TV6, moi j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir le culot de museler une chaîne pareille, je veux dire. Alors que bon, on sait très bien que l'auditoire c'était à 90% des jeunes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en fait? J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça. Il aime tout ce qu'il voit, même ce qui lui échappe.